C'est le 18e, c'est une nouvelle agence, l'agence RE/MAX Excellence, et Gabriel m'attend pour me présenter sa très très belle agence. Bonjour Gabriel. Bonjour Thibault. Merci Comment de me recevoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Installez-vous. Merci. C'est quoi les recettes du succès pour se faire connaître quand on arrive ici un peu toute nouvelle comme agence? Comment on fait? Parce qu'il y a la concurrence quand même. Exactement, il y a beaucoup de concurrence. Ouais. La proximité de la clientèle, c'est le plus important. Ouais. Vous me disiez que les gens rentraient naturellement ici boire un café le matin? Oui, effectivement, oui. Plusieurs voisins ou commerçants. Ouais. On discute énormément, ce qui nous permet aussi de savoir un petit peu ce qui se passe dans le quartier, notamment d'appartements à vendre, bien entendu. Mais pas que, c'est la porte est ouverte. Il y a une sensibilité quand on rentre dans cette agence. Déjà, il y a des peintures un peu partout. Et une belle verrière, on rentre dans le bureau et on nous dit qu'on va trouver le bien immobilier de nos rêves. Ça vient d'où ça? Je voulais vraiment une agence qui me ressemble. Là, tout a été vraiment personnalisé, dirons-nous. Ça me ressemble totalement, oui. On a effectivement chez RE/MAX, il y a les modèles RE/MAX qui sont basés sur les couleurs assez classiques du blanc, du rouge, oui. Etc. Effectivement, j'ai eu l'autorisation de pouvoir faire un petit peu ce que j'y voulais, puisque ça, c'était très important pour moi. J'ai vu de nouvelles façons de faire au Canada récemment, et en tout cas des agences immobilières qui ressemblent un peu aux vôtres ou à la vôtre. Et une agence immobilière qui est en train d'accueillir de nouveaux métiers, des magasins d'art. Le Starbucks, pour moi, est pas loin et intégrera bientôt les agences immobilières. Alors, et vous me disiez que c'était votre objectif. Exactement, c'est mon objectif de pouvoir, j'espère, commencer pas trop tard, bientôt, mais effectivement, de pouvoir organiser quelques after work, dirons-nous, où je puisse accueillir certains artistes, donc qui puissent exposer. Derrière, certains sont déjà venus voir un petit peu pour la configuration, pour savoir où exposer, comment et quoi exposer, pour qu'ils soient un petit peu. Donc certains font des dessins exprès, d'autres de la peinture, donc c'est assez intéressant, effectivement. On a déjà accueilli pas mal d'artistes. C'est innovant, ça, c'est novateur. J'ai pas encore vu en France. Le but étant toujours de mélanger l'immobilier avec quelque chose. Oui. Ça, c'est très important. Il faut qu'on arrive toujours à être dans cette optique de se tenir la main, non seulement entre nous et RE/MAX, mais entre autres professions. Oui. Donc effectivement, on en arrive à pouvoir, si on peut exposer, oui, ça c'est formidable. Donc bientôt des tableaux chez vous et du café. Du café toujours. Double latte cappuccino. Exactement. Mélangé. Merci Gabriel, merci pour votre accueil. À bientôt. C'est moi, à bientôt. À bientôt. Merci.